Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on est sur The Vagrant. Petite découverte d'un jeu que j'ai trouvé sur PC, sur Steam, qui ressemble vraiment beaucoup au style graphique Vanillaware. Et vu qu'en ce moment, je suis un peu à fond dedans, je voulais essayer celui-ci avec vous. Allez, c'est parti. On va jouer en normal, ce sera très bien. Le jeu est en anglais, malheureusement, pas de français. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce livre qui peut avoir un rapport avec la disparition de mon père? Sellworld, un monde vendu. Ce jeune monde vendu, Sellworld, je sais pas ce que c'est. Viviane. Sellsworld, peut-être. Ah oui, cette petite vendeuse d'épée. Cette jeune vendeuse d'épée, Viviane. Est venue une journée dans la place. Avec son père. Mithrilia. Ouais, je vais pas essayer de traduire parce que mon anglais est trop profond. Bonjour mademoiselle. Ah tiens, du français. Viviane. Il y a un français. What? Mais qui es-tu? L'obsession. Envoie à la destruction. Conduit à la destruction. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de me torturer? Non, on danse dans la tempête. Embrasse ton destin. Alors, on avance en recul. Alors on peut dash avec une double pression. Par contre, la pression du bas, tout crunch. Et A pour sauter. Pour se baisser. Une attaque forte pour les faire tomber. Alors, tu as des monstres au fil des cristals. Les cristals vont nous permettre d'avoir des habilités. Pas eu le temps. Oh, c'est la tempête. La tempête est arrivée. Je n'ai jamais vu quelque chose qui ressemble à ça. Je ne suis pas sûr qu'il reste quelque chose de tout ça. Le bateau a été écrasé, enfin, dans la tempête. Il était emporté dans la tempête. Et Viviane... a peut-être survécu. La route, je sais pas, son chemin va l'emmener vers la bataille. La force du soleil de ce pays a signifié la fin de la grande tempête.
et a envoyé Viviane Comforting Ray, je sais pas ce que c'est. Finalement, un pays. Ce paradis a-t-il pris mon épée? Alors c'est la traduction foireuse, hein, je vous préviens tout de suite. J'ai aucune compétence là-dedans. Mais je me débrouille quoi. Qu'est-ce qu'il aurait besoin d'aide ici? Je peux encore bouger. Mais ça durera pas, il faut que je mange quelque chose. Un cochon! Est parti. Viens là. C'est Luciane. Où est-ce que je suis? Quel est cet endroit? À Brockley Village. Venez-vous, Viviane, vous m'inquiétez. Je viens d'une tempête. Mon bateau m'a crashé ici, s'est écrasé ici. J'ai besoin de quelque chose à manger. Bien sûr, vous avez sauvé ma vie, je vais vous donner à manger. Vous avez perdu votre bateau. Mais les sirènes se sont tues pour vous laisser venir ici. Suivez-moi jusqu'à ma maison. Je vais vous offrir un dîner. Bizarre de les voir parler comme ça maintenant. Besoin d'aller à Witton. Il y a des bêtes horribles dans les bois. D'accord, donc le menu d'interface que j'ai toujours pas utilisé pour changer les équipements. L pour utiliser les choses assignées aux îles. Et LB et RB pour switcher les équipements. Alors, voyons ça.
50 de rage. Un build hand. C'est B. Un plus blade, pardon. Ok, donc c'est juste B. Ensuite, j'aurai B en montant, B en descendant, mais sur le côté. Ok, et ça me file... Qui es-tu toi? Je peux pas vous parler, vous? Ah voilà, d'accord. Merci d'avoir sauvé ma fille. Je peux détruire les pots. Ah, d'accord, j'ai du haut. Il y a toujours un hibou. Voici dehors. D'accord, bon, même principe hein, que Murasama, semblerait-il. Je vais vérifier un truc avec le système. Ah voilà, c'est beaucoup plus clair. C'est bizarre, de temps en temps il passe du clair au foncé, je comprends pas trop le principe. Salut toi. Salut voyageur. C'est Watford. Ah, tutoriel, Stel. Ouais, voilà, c'est une sauvegarde. Je vais utiliser la croix directionnelle, ce sera plus simple. Je suis désolé mon vieux. Il a faim lui. Merci d'avoir sauvé ma fiancée. Je peux pas tuer la poule. Ah d'accord, t'es méchant toi. Qu'est-ce que vous voulez les gars? Bon, c'est pas par là. Ah, désolé, petit cochon. Je vais tout ce qui est cochon. Bah, ah oui, c'est par là. Euh...
Je comprends pas ce... On est repassé sur du son. Du terne. Je sais pas si ça va se voir. Qu'est-ce que tu vends, toi? La bouffe? Un resto, un petit bar. Un forgeron. Toi, tu vends des popos. Où le forgeron? Il est par là. Ah, le voilà. Alors, Soldier's World. Attaque 80. Je suis à 75 d'attaque. Attaque. Oula! Attaque 90. J'ai évidemment pas la thune pour tout ça. 500, 8000, 15000. 1000. Je suis à combien, moi? On voit pas combien on a? J'ai peut-être 0. Ah non, ici. 1038. Ah, 1038, je pourrais me l'acheter, ça, non? Alors, j'allais dire, ça va les réchauffer, mais non. Alors ici, c'est la plage. Donc, on va repartir de l'autre côté. Les poules. Ce sera un simple test, hein, parce que c'est pas un Murasama. Ça bouge beaucoup moins bien. C'est moins joli. Ah. Je peux pas passer. Où est-elle alors, elle? Je veux bien l'aider, mais elle est pas là. Note. Par ici peut-être, non? Traveler, c'est quoi? On peut aller que là, ouais, d'accord. On pourra TP, par contre, ça c'est bien. C'est bien, je peux remonter par le haut. Oui, plus bas, mais là je peux pas. Par ici. Ah là, y a rien. Ah, je peux pas aller là. Je
Je peux pas monter. C'est le début du jeu, on est déjà paumé. Ici. Ah, voilà le fameux lac. C'est sympa ce dash, mais ça bloque beaucoup au final. Ah, Viviane. Espèce de raton là. Alors, nous voici dans les bois. Eh oui, encore un mariage arrangé. Ah, je suis pas très hypé. Hein. Le jeu essaie, tant bien que mal, d'être un sous-vanillaware. Bon, il a le mérite d'exister. Hein. Là, d'un coup, il fait limite jour. Mais bon, on va continuer. C'est le petit matin. Il n'y a pas un mob, ah, si. Il n'y a pas de double saut. Les rats sont aussi gros que les loups. Ah bah là on s'embête plus avec les fonds. Hein. On a fait ça vite fait. Ah. Ouch. C'est son père qui a tué son amant, donc.
Ça sent le boss, ça, non? Je reviens directement ici, donc. Cochon. Ah. Qui est-ce? Il a tué tout le monde. Des zombies. Ouais, je pense. Ouais, mais non, Oui, c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y avait 3 vies en plus. C'était fait pour... Virida. Darche, Bedam, Experite. Ah, t'as tué Virid? Yann, t'as pris cher encore une fois. Sellsword, ça serait quoi? Ça serait une sorte de... Ronin, quoi, de guerrier qu'on peut acheter.
Ah, je dis pas tout. Pour ceux qui lisent bien, je vous en laisse un peu, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Et blablabla, ça n'arrête pas. Bon. Enfin. Écoutez, je vais m'arrêter là. Non, c'est pas absolument un trop mauvais jeu, mais c'est un tout petit jeu et je comprends pourquoi il n'a pas fait plus parler de lui, quoi. C'est du souvenirware, ils le font déjà très très bien. Mais bon, j'aurais pu y toucher quand même. Eh bien écoutez, je vais donc vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vais vous dire à bientôt. Allez, au revoir.